C'est un dessin animé ? Un dessin animé, oui. Picsou ? Picsou, non. Mickey, français ? Non, la voix de Picsou, on ne la connaît pas très bien. C'est comme la voix de Donald, vous voyez. Chercher quelqu'un dont on connaît bien la voix. C'était un animal ? Un animal, oui. Le coyote ? Le coyote, non. Un chat ? Un chat, oui. Gros Minet ? Gros Minet ! Bonne réponse de Sébastien Castro. Oh là là là. Bravo. Je suis tellement heureux. La voix de Gros Minet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas Isabelle Mergo qui la faisait. C'est Georges Aminal. Ne la laissez pas m'attraper. Au secours, sauvez-moi, aidez-moi, je vous en supplie. Oh, elle est là. J'ai pas l'impression que vous connaissiez Titi et Gros Minet, monsieur Pierre Benichou. C'est un chat. Oui, et Titi ? C'est Titi, c'est qui ? Pardon ? Et Titi, c'est quoi Titi ? Qu'est-ce que c'est Titi ? Titi, ben, c'est le copain au chat. Vous voyez que vous connaissez pas. Non, pourquoi c'est... vous mentez, monsieur ? Parce que je déteste les bandes dessinées. Oui. Et je déteste les films d'animation. Ah, pourquoi ? Et ça, j'ai le droit, parce que ça me fait chier. Ah oui ? C'est trop long à lire une bande dessinée. Il faut regarder le dessin, voir ce qu'il se dit. Et tu vois qu'il t'en reste 40 à lire encore. Ouais, ça fait souvent 200 pages. Ouais. Oui, non, c'est affreux. Moi, je n'aime pas ça. Vous n'avez pas les beaux... Ah, il y a des beaux dessins animés. Je ne suis pas bande dessinée du tout. Mais non, mais là, on parle de films d'animation, ça cartoon, vous n'avez jamais regardé un truc comme alors, ça, oui. Le alors, roi d'Égypte. Ça cartonne. Le roi d'Égypte. Avec Moïse et tout, t'as pas kiffé? Ça t'a pas rappelé des souvenirs? J'aime bien quand elle n'arrive pas à me répondre. Je me sens fort. Le roi d'Égypte, c'est bien. Le roi d'Égypte, t'as pas regardé, Pierre, en vrai? C'était bien. Pour ceux qui n'ont pas la couleur, je sifflote quand ils me disent ça. Ouais. Mais il y a bien un dessin animé que t'aimes bien. De toute façon, vous confondez la bande dessinée déjà et les dessins animés à la télé. Dessin animé, il y a rien à lire dans un dessin animé, monsieur Benichou. Qu'il y ait une chose que j'aime pas, il y a deux choses que j'aime pas. Hein. Le dessin animé et les bandes dessinées. Il y a de très bons peintres, de très bons écrivains, pour... et très bons acteurs. Blanche-Neige, plutôt. Pinocchio. Oh, Blanche-Neige. Le roi Lion. Le roi Lion. Non, mais ça, Lion, c'est quoi, Roi Lion? Bah, arrête, tu fais exprès. Il peut pas connaître le Roi Lion, c'est pas sa génération. Il a pu aller le voir au cinéma, ou ses enfants, ses petits-enfants. C'est une musique d'Elton John. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Non, t'es gentil, je Mustapha, touché, tu touches pas le linge. Hein. Pas le sans ça, j'ai un charter qui part tout de suite. Hein. Salopard. Hein. Monte d'abord, je te rejoins. Vous avez pas regardé, mais il y a plein de. La Reine des Neiges, les Cendrillon. Non, mais même à ceux avant, les Aristochats, Bernard et Bianca. La Belle au Bois Dormant. Aristochats, non, je regarde pas ça. Moi. Non, j'aime pas ça. Mes enfants non plus. Mes enfants, ils faisaient Kafka dans le texte. Non, ils faisaient Kafka dans leur couche, mais ils faisaient pas caca dans le texte. Non, écoutez, monsieur Pierre... Il y a des gens qui viennent de milieux différents. Il y a des gens qui viennent de milieux un peu modestes, comme ça. Alors, on leur achète des bandes dessinées. C'est Mémé... C'est pour moi, ça, Pierre, c'est ce que j'ai trouvé gros. Non, c'est Mémé qui arrive de Strasbourg, qui dit, regarde, oh, Mémé, elle est gentille, elle t'a apporté un truc. Elle dit, ah, ouais. Ah, c'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs à bouquiner, on peut regarder. C'est terrible ça, tandis qu'il y en a d'autres où les parents disent tiens, je laisse la métamorphose de Kafka. Lis donc, et tu commences à lire du Kafka à 9 ans, et tu finis vers 89 psychopathe. À écrire un bouquin.